Bon, normalement la quête est débloquée là, j'espère. C'est où d'ailleurs? En haut. Ah ouais, mais c'est chiant par ce côté là. Autant prendre la corde hein. Pourquoi t'as pris le 500 mesures? Pourquoi? Oh mec! Tu restes pas où? Bah j'ai pris le... Je vais prendre la corde en fait, c'est plus drôle. Surtout plus rapide. Yes! Et le bruit qu'il fait le perso quand il monte hyper vite. Moi, c'est le bruit que je faisais dans tous les manèges à Disney. Genre les tasses et tout. Hey, wow. Ça, je sais pas les tasses, c'est trop dégueu. Enfin, c'est trop gerbant. Un méchant, ça? Non, y'a plus de méchant là. Faut juste aller voir le Kemé. Kemé! Mais j'ai plus de lampe ou quoi? Tu vois pas ma lampe? Mat ma lampe. Ah! Bien, on sera tranquille avec cela. Et depuis hier, il nous attendait. Bah non, mais de quoi depuis hier? Les renégats dehors. Je suis le truc. Ils vous embêteront pas. Pas de coupure. Tu t'es débarrassé d'eux? Ouais, c'est vrai. Qui es-tu? Aiden. J'ai des ordres de Jack. Bye-bye, Aiden. Merde alors. Voyons ce que les lutins du Père Noël nous ont apporté. Je t'ai fait un dessin. Un retrait. Maintenant, c'est une putain de blague. Tu sais combien d'hommes j'ai perdu pour sécuriser ce foutu terrain? Je sais pas, lieutenant. Mais j'ai... Cinq. Cinq parmi nos meilleurs hommes. C'est tout? Barthez a tué plus de virulents que l'unité entière. Sierra et Petit Ron. Ils se sont battus à mes côtés depuis avant la chute. Ils ont donné leur vie pour ce bout de ville, et maintenant quoi? Je suis censé partir? Et Franck Leboeuf, il en a tué combien? Je veux accéder à la base de données du GRE. Bon, soit tu pars, soit je t'encastre contre le mur. Ouais, c'est vrai. Je sais que c'est pas. Mais pourquoi je te le dirais dans ces circonstances? J'ai des affaires importantes, bien que débiles, à régler. Eh, dégage. Quoi? Ok, messieurs. Récupérez les plaques des soldats tombés au combat. Putain, ça craint. Mais un ordre est un ordre. Rob, attends. Mais tout le temps, là. T'es venu pour me faire chier aussi? Tu me connais, Rob. Aiden et moi, on cherche tous les deux cette base de données du GRE. Et tu vas nous dire où elle est. Tu préfères faire traîner les choses ou t'en occuper ici et maintenant? Putain. Qu'est-ce que tu veux de cette base de données? Il paraît qu'elle est stockée sur des serveurs dans le centre de commande de l'Observatoire. Ce bâtiment a été détruit lors des attaques chimiques il y a des années. Les bombardements se succédaient, comme si on était les putains de Viet Cong. Bien sa tête, on dirait pas les fâchés. Hein. Tu comprends? Plus une gueule. Nada. Si vous on voulez, dirait le mec de Gears of War. Messieurs, mais tout maigre. On y va. C'est en somme. C'est le bala. En tout cas, un beau vaudeville. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est téléporté encore. C'est une sorcière. Son signe astrologique, c'est le serpent. Et maintenant? Maintenant? T'as pas entendu? La base de données a disparu depuis longtemps. Tant pis pour la découverte du mystère de notre enfance. Je vais retourner à la recherche des connards sur ma liste. Et toi? Tu peux profiter de la vie au centre. Mais j'ai cru qu'on voyait son bidon. C'est son bidon? Ah, ok. C'est quoi le problème avec ces renégats? Tu crois? Pourquoi ils ont attaqué la cantine? Tout ce que j'en sais. William, c'est un putain de taré, un boucher et un meurtrier. Il a tué la moitié de la ville avec une attaque aux armes chimiques. Maintenant, il ordonne à ses hommes d'attaquer des civils au centre. Juste après que Waltz ait allumé le courant. Waltz et ce psychopathe travaillent ensemble. Je serais pas surprise qu'ils aient planifié ça ensemble. Ah, carrément. Peut-être que Rove se trompe. Quelque chose est peut-être resté intact après tout. Le boucher a lâché des produits chimiques. Cet endroit n'est plus qu'une ruine de décombres. Le boucher a lâché des produits chimiques. T'abandonnes? T'es sourd ou juste con? Ces bombes chimiques ont détruit tout le monde et tout ce qu'elles ont touché.
C'était une putain de perte de temps. Je savais pas, moi. Franck avait raison. Je suis trop naïve. Naïve. Normal, t'es une femme. Je vais à l'observatoire. Alors tu vas y aller tout seul. Alors, on se sépare ? Toutes les bonnes choses ont une fin. Le boucher et les connards sur toi, ma liste. Ils le découvriront bientôt aussi. Je vais retourner les chercher. Ça veut dire qu'elle sera jusqu'à la fin. Oh. Aiden, je suis désolé que t'aies pas retrouvé ta sœur. Ouais, merci. Sinon, il y a toujours Waltz. Il sait probablement ce qui lui est arrivé. Si je le trouve, je te préviendrai. Oui, on va se faire boomer encore. Mais... Sois prudente, Lawan. Le chaos de ses morts. Ouah, niveau de combat. Bon, si Lawan meurt à la fin du jeu, je vais pas pleurer, je te dis. Si, si, tu vas pleurer. On a rien à foutre. Lancer de grappin. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mais j'ai pas de grappin. Attaque puissante. Chiche! C'est la puissance, hein! Coup de poignard enchaîné. Sauf fracas. Fracas. Oh, fracas, c'est violent. C'est vrai, mais je pense jamais l'utiliser. Et moi, je vais le faire. Non, non, c'est une épée pas ouf, en fait. Plus rien à dire. Elle fait que 39. Prends du va-t'en, mais je veux que j'aboune elle aussi. Va-t'en. J'ai plus de verre là, mon caribou. Taza. Oh, une petite cabane. C'est mignon. Est-ce que ce serait pas une planque? Ah non, c'est un enclos. Ton papa, c'est une planque ou pas? Non, c'est juste pour les animaux. Comment on rentre? C'est bon. Vas-y. Et tout l'après-midi, j'ai cherché à rentrer dans ce truc-là pour ramasser un collectible. Lawan, t'avais raison. Il reste que des ruines. Lawan? Elle est morte. Déjà? Major Matt? Ici Aiden. Aiden, c'est bon de t'entendre, fiston. T'as dit que tu pourrais m'aider, et j'aimerais savoir comment. Pas à la radio. Viens sur le bateau, au QG principal. Je serai bientôt là aussi. D'accord. Putain, il a une voix suave. Qu'est-ce que... Putain de merde! On a perdu, en pleine cinématique. Game over. Il faut recommencer tout le jeu. Qu'est-ce que... Foutons le camp d'ici, Greg. Fin du jeu, alors. Cinématique de fin. Crédit. Oh, ça fait violer par deux barbus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de me sauver? Passer ici. Oh, mais il a tué tout le monde. Non, oh, il dort. Ah non, look. Ça va, ils sont vieux. Mais c'est des vieux qui se baignent dans le soleil. Dans le soleil. Non, toi, on est où là? On s'est téléporté de ouf. Ah ouais, on est à l'autre bout de la map. Eh ouais. Sors-moi, s'il te plaît. Eh ouais. Mais. T'es où? Mais... T'es loin. Attends, je suis en dessous de toi. Je me prends tous les murs là. Je te vois pas. Ah ouais, mais en fait t'es plus haut. Ouais, t'as un trou du cul, frère. Pourquoi tu tombes aussi? On a un parachute. Mais j'ai fait un parachute, ça peut pas sortir ce trou du cul. Incroyable. C'est incroyable. Youhou! Pouah! Un tour en pleine gueule. Bateau.
NATO. Hop. Oh, on est au QG. Les frises. On est chez JQ. Waouh. Tu me dis rien. C'est pas beau. Tu viens d'où? Je suis là si t'as besoin, mon pote. T'as un pacificateur qui est en train de soigner quelqu'un qui est qui a la peau grise. Grisaille. C'est pas raciste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Viens. Tu es dans la bagarre ou pas? Moi? Ouais, viens. Je suis coché à où? Oh, y'a du monde. Ouais, alors c'est le mec en fait. C'est qui? Oh merde, j'ai tapé un pote. Toi, tu vas allumer. Mais je me fais allumer par un pacificateur. Ouais, lui, il est mort. Ouais, y'a un mec qui m'attaque. Je vais te déchirer. Ils sont pas de 4 heures. Oh, ça bug là. Poisson frais, poisson frais. Oh, c'est un joueur sur 1 FPS. Ah, tu marches à côté d'eux. T'as nul. Spécial. C'est insensé. Le mec, il était hyper gros, il a volé. Voilà. Ça les a calmés, ça. Comme disait le général de Gaulle, la France. Eh, c'est vrai, c'est pacificateur. Hein. A pas d'ennemis. Mec, 50 balles. Pas d'ennemis, seulement des partenaires. Eh, mon gars, aucune peine, je te nique ta race. Dans mon sang, il y a que de la glace. Oula, oula. Oh mon gars, carré ça. Des trucs bizarres là. Aucune pêche, te nique ta. Eh, y'a un mec qui est coupé en deux. Je sais pas qui a fait ça, mais. On dirait qu'il boit la bouteille, mais sans bouteille et sans tête. Enfin, bref. Salut les gars, j'ai tué la moitié de votre faction. Et ah, la meuf a la peau grise. Faut des interrogatoires. Ah, maintenant elle est rousse. Oh! Ouf! Sors-moi, s'il te plaît! T'as pas mangé hier? Ah! Je veux un tour de garde. Stop! Biomarqueur! Non, moi c'est Aiden. Voilà. Fais ton rapport à Meyer au central. Le commandant revient du terrain. Ok. Matt part souvent en mission sur le terrain? Avant, il était presque jamais sur le bateau. Toujours sur le terrain. Toujours à aider. C'est pour ça que j'ai rejoint les pacificateurs. Mais dernièrement, Matt agit bizarrement. Je sais pas trop ce qui lui arrive. C'est comme ça depuis le vieux Ville d'Or et l'attaque des renégats. Et maintenant, cette connerie de retrait. Je comprends pas. Quoi qu'il se passe, j'espère qu'il s'adressera bientôt aux hommes. Qu'il nous aidera à comprendre pourquoi on doit se retirer. Il a probablement ses raisons. Peu importe ses raisons. Des innocents vont être tués. Va voir Meyer. Merci. Fais ton rapport à mes... Ah oui, alors, des kits de soins. Combien je peux en faire? C'est bon, il a mangé ses chips là? Non, c'est des cookies crisps. Cookies crisps? Tu les manges sans lait? Sec. Wouah! Bah, c'est... T'as cru que c'était des cookies ou quoi? Ouais, avec un. Tac. Est-ce qu'elle est mignonne, cette meuf? Pas trop, hein. C'est bon, t'as pris? Yes, là, oui. Il faut faire le rapport. Oh! Beau décor, hein. Bellobito. Oh non, je peux pas faire exploser l'extincteur. Je voulais t'attendre et le faire exploser.
Non mec, on est pas sur Arsis. Get pranked. Oh. Dans un an, tu m'appelleras caporal. Ils aiment trop le métal. Tu travailles dur, tu seras promu bien avant. Ouais, j'aime trop avoir la peau bleue, c'est incroyable, c'est mou, ça, c'est mou. Je suis bloqué. J'ai pas de torche. Je peux pas me torcher. J'espère que ils ont tous la peau bleue. T'as vu? Ouais. Comment on passe? Je suis bloqué. Ah, faut lui parler à lui. T'es bloqué derrière. Je m'en fous de parler au mec, hein. Moi je veux passer. Mais on ne peut pas. Je veux passer. Mais moi je veux passer. Regarde en toi par contre. Kylian va se regarder. Oh, il me regarde. Non, moi il me regarde. Ah, maintenant il te regarde. Ah, maintenant il me regarde. Mais toi tu regardes son oreille. Lui, là, je suis en 1v1 contre lui là. Oui, mais il me regarde. Ah, non, il te regarde pas. T'es schizophrène, mec. Voilà, là il me regarde. Oh, il te regarde avec un dégoût en plus, c'est incroyable. Il me regarde plus. Putain. Oh, la meuf elle me regarde. Ouais, je lui fais de l'effet. Et au gars derrière aussi, je lui fais de l'effet. Et c'est le mec. C'est Sam Biev. C'est un péruvien, mec. Je suis Kiblo. Ah non, c'est bon. Bon, comment on fait là? On l'a fait bugger. On l'a fait bugger. Putain. Voyage rapide. J'ai voyagé rapidement. Moi aussi. T'es où? Mais pourquoi ton truc est dans le ciel? Mais c'est toi qui est dans le ciel. Yeah. Putain, mais ça fait chier, au bout de 30 secondes on fait bugger le truc. En fait, il voulait qu'on lui parle dans les 5 secondes, sinon il est crispé, cookie crispé. J'aime bien les musiques qu'ils ont mis quand même. C'est plus hein. Bon monsieur là. Ah merde, j'ai eu espoir mais c'était pour te soigner. Monsieur. Frère, hein. Monsieur, je peux pas sortir d'armes. Tu as de l'argent? Tu veux que je mange des champignons devant toi? Ah, je peux pas utiliser. Mais c'est pas une arme. Mais ça en fout ce jeu de mort. Est-ce qu'on peut pas parler à quelqu'un d'autre? Tiens, je me rappelle pas que le couloir était aussi long. Je me rappelle pas que sa grosse était aussi serrée. Oh non. Alors, les qu'est-ce qu'ils vendent? Booster. Moi, de je vends de l'ambulance. Tu vois, y'a un mec qui bouge ici, il va mourir. Waouh! Valeur de soins 150. Eh, mais du coup, si je fais des soins comme ça, moi je vais avoir l'amélioration, mais pas toi. Tu veux acheter? Je suis là. Ah, si, peut-être. Je sais pas. Je suis pour l'eau. J'ai augmenté les petits couteaux parce qu'ils font pas assez de dégâts. Voilà, 32 dégâts. T'as intérêt de revenir? Ça. Alors tu me dis rien. On est dans une cellule. Tu viens d'où? Oh, tu parles de qui? Mais moi, je suis en train de me battre là, comme des pacificateurs. Il y avait un renégat dans une cellule. Oh, je me fais m'ajouter là. Est-ce qu'ils font beaucoup de dégâts? À vous, t'es bien dans la merde. Oh, pas ouf. T'as tant envie de mourir que ça. C'est pas. T'en veux, hein? Je vais tenter un truc, je vais tenter ma nouvelle. Nouvelle capacité. Il se rapproche le vers moi. Tranquille, fils de pute. T'es où? Mange ton ça. Ah, il était là. Oh putain, mais ça a pas marché. Oh, je suis mort, allez hop. J'ai sauté sur le mec, ça a pas marché. Pour faire carré. Oui, mais. Non, mais
mais je crois faut juste appuyer sur carré, non? Je vais mourir là, sauve-moi! Mais pourquoi t'es au milieu d'eux? T'es avec eux en fait. Yaaah! Attends. Ah, ils font blocus! Je suis mort. Je sais pas pourquoi là je suis. Je peux pas mourir en plus. A bogey. Désolé, le mec il voulait pas jouer à Dying Light. Ça va casser quoi, il fera au bout de 2 minutes ça bug, frère. Toi, moi je joue bien, mais si le jeu il veut pas. Hein. Oh, j'ai été téléporté! What the fuck, les amis? Ah oh, bah là, je suis vraiment bloqué. Ça m'a TP derrière le garde. Central. Mais t'inquiète. Là-bas. T'inquiète, grand. Ok, les gars, grand. On s'occupe des lampes UV et on retourne à la base. Ça devrait être précis. T'as regardé le match hier? Facile. Allez. Non, j'ai vu le résultat, mais c'est tout. Incroyable, j'étais sur le cul. Ils ont déjà attaqué tous nos gens. Ah, putain. On interviendra. Si vous pouvez intervenir, pourquoi vous partez? Pourquoi il marche où là? Ton père était pas un célèbre héros de guerre. T'es où, ouais? T'es pas dans la cinématique? Dans sa tombe. Fais attention. C'est la cinématique, toi? Ouais. Les choses sont difficiles pour toi. Pas moi, je suis en train de me balader dans le bâtiment, je crois. Je suis pas sûr. On vient de rencontrer une base. Une autre Juliette. Ah, bah il faut que j'avoue, moi aussi. Ah, mais je suis déjà là. Ah non. Où toi? Je suis dans le bateau. Je vais pas passer. Il y a encore le blocus là, des mecs en bleu là. Mais passe. Je peux pas, me TP, je peux rien faire. Putain, bon attends, on recommence. Putain, encore des putains, vas-y. c'est un japonais en fait. Ah, ouais, il y a Lésion, il y a Echo, Dokkaebi, Vigil. Lésion, Dokkaebi, Vigil, c'est beaucoup. Hein. Lésion, Dokkaebi et Vigil. Toi, je me souviens de toi à la cantine. Ouais, je suppose. C'est bon, t'as l'image? Dispute à la cantine. Peut-être. Tu me parles de t'inquiète cantine, je crois, au lycée ou quoi? T'es vraiment capable de te débrouiller. Je respecte ça. Ah, mais Aiden, moi je crois que c'était un bar, c'est une cantine en fait. Le commandant m'a dit de t'informer sur les affaires de la faction. Missy te souhaite la bienvenue. Mississippi. Qui est Missy? C'est qui, Missy? C'est le nom du bateau où tu te trouves. Elle a joué un rôle clé pendant la Révolution. Missy était censée livrer des médicaments, des masques et d'autres fournitures médicales essentielles, puis rentrer chez elle. Mais à ce moment-là, le navire et son équipage n'avaient plus nulle part où rentrer. Et maintenant? Maintenant, elle sert de quartier général et de centre de commandement des pacificateurs. Toutes les directives sont émises d'ici. C'est judicieux, elle est plus facile à défendre qu'un bâtiment. Exactement. On verra ça. Hein. Que voulaient ces survivants? Tu parles de notre petite dispute? Ils veulent ce que tout le monde veut, la sécurité. Ce que je comprends. Mais on doit avoir l'œil sur la situation dans son ensemble. Et ça m'énerve quand les gens mentionnent mon père. Je veux pas être indiscret, mais... C'est quoi le problème avec ton père? Ah, ça recommence. Puisque t'es nouveau ici, je vais te donner la version courte. C'est l'histoire classique. Il a sauvé un groupe de ses camarades et quelques civils, et il a reçu une médaille. Ça s'est passé quand? Il y a longtemps. À l'époque où les gens se battaient seulement entre eux. Et pas entre eux et avec les infectés en même temps. Alors, c'est pour lui que t'as rejoint l'armée? En gros, oui. Il devait être très fier de toi. Ouais, sûrement. Oh, The Last of Us sera diffusé en 2023. Ça va, encore un an. Où est Matt? Sur le terrain,
Il est tombé sur une piste dans le vieux Ville d'Or. Tu dois attendre. Ok. Lui, je regarderai même pas. Tu vois ce tableau ? J'ai des tonnes de choses à faire et pas assez d'hommes. C'est alors que je regarde. Tu veux une partie de notre travail ? On paie bien. Avec Elliot Page. Putain, c'est le Major Matt, je sais pas ça. Dégagez ! Avec Gordon Ramsay. Non, tu vois, il y aura encore un Asiat, tu vas te vénérer. Putain, Hector est vraiment en mauvais état. Oh, mais il est vivant. Appelez les médecins, nous devons le sauver. Ah, je me disais, ben, il s'était juste pris un coup dans le ventre, il pouvait pas mourir. Tu m'entends ? Hector, ça fait 3 semaines, il dort, frère, c'est bon. Il dormait dans le parking. Non, mais grand. Vous avez intérêt à ce qu'Hector survive ? C'est trop. On a perdu trop d'hommes dans le vieux Ville d'Or. Qu'est-ce qu'il fait, le mec derrière ? Jack fera tout ce qu'il peut pour découvrir qui a fait ça. La taille de mon pouce. La circonférence de son cul. Ça passe pas. J'espère qu'Hector survivra. Il est entièrement dévoué. Dévoilé ton doigt. Pourquoi il regarde son doigt, t'as dit ? Ouais. Non, moi il a une hache dans la main. Et moi il regarde sa main. La voix est l'ordre. Il y a que comme ça, on s'en sortira. Putain, tu es un mic. Mais bon, t'es toujours mieux que croupir dans une cellule. Ouais. C'est pas faux. Ouais, en fait, hier, j'ai pas regardé le match, mais j'ai juste entendu les voisins qui ont gueulé. Aiden, je me suis dit, ah, quelqu'un a marqué. Ouais, 94 ans. Hein. Oh, y a Zofia ici. T'as Zofia Junkie. Ah ouais. Je vous ai observé. Mais non, on s'est embrassé et tout. Ouais, j'ai vu. T'as ramé Jigun celui-là? Ah, il va pas bien, il arrête pas de tousser. Ces points américains ont d'abord appartenu au commandant Lucas. Oh, je peux en avoir un. Puis, ils sont passés à Hector. Ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or, ça ne peut pas se reproduire. On doit sauver la ville, Aiden. De la maladie, du boucher et de ses hommes. Sida. Peu importe ce qu'ils préparent. Des Asiatiques. Okay. Mais à la radio, tu m'as dit que t'avais des infos pour moi. Oui, mais avant d'en arriver là, dis-moi, Aiden, pourquoi tu as besoin de cette base de données ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Le dossier X-Men, je vous ai dit. Oui, bah je cherche ma sœur dans ce dossier. Dis-moi juste ce que tu sais. Bah, je sais pas. Est-ce qu'on lui fait confiance, lui ? Non. C'est personnel. Restons-en là pour l'instant. Je comprends. Ça me va. Pour l'instant. Je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du GRE se cachent dans la ville. On a retrouvé la trace de l'un d'entre eux, juste avant l'attaque des renégats. Docteur Zeret. C'est prometteur. Quand je trouverai le scientifique, on verra ce qu'il sait. S'il nous est d'aucune utilité, on en trouvera un autre. Et un autre, jusqu'à ce que t'obtiennes les réponses à tes questions. Ah, je crois pas que les survivants auraient pu faire ça. Pourquoi les scientifiques du GRE se cachent ? Bah, je pense que c'est... Pourquoi c'est les anciens membres du GRE se cachent ? Ils ont peur de la colère du peuple. Des gens en colère parce que le GRE a répandu l'infection. Alors c'est vrai. Le GRE a apporté le virus. Qui d'autre ? C'est pas ils disent qu'ils faisaient des expériences dans leur base. Ils ont fait venir des conteneurs d'Aran. La nuit, en secret, pour le gouvernement. Et puis tout s'est effondré. Pour se venger, les gens ont capturé les scientifiques et les ont pendus aux lampadaires. Ils ont tué les seules personnes qui avaient une chance de trouver un remède. Il n'y a pas de remède et il n'y en aura jamais, Aiden. C'est la propagande du GRE. C'est triste. D'accord. Tu veux quoi en échange ? Qu'est-ce que tu penses que je veux ? Peut-être la même chose que toi. La ville a de nouveau de l'électricité. Les renégats attaquent. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville. Mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous. Grâce à l'électricité, on peut allumer la plus grande antenne au centre, sur la flèche de la tour VNC. Attends, tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio ? D'une certaine façon. Le signal me permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes. La communication entre les colonies sera améliorée. On enrôlera plus de recrues pour défendre la ville. Alors il sera plus facile de trouver les médecins du GRE dont tu as besoin. Ouais, d'accord. Comment suis-je certain que tu vas m'aider ? Je ferai ma part.
Mais où est la garantie que tu m'aideras après ? Tu me fais pas confiance, Aiden. Je suis pas là depuis longtemps. Mais je peux déjà dire que les promesses tenues sont rares dans cette ville. Si on ne trouve aucun des scientifiques du GRE, je te promets que je trouverai Waltz pour toi. Tu travailles avec la WAN, ce qui me fait penser que tu le cherches aussi. C'est vrai. Ok, ça marche. Bien. Le boucher a attaqué pour une bonne raison. Je veux m'assurer que cette ville est en sécurité, dans tous les cas. Il nous a mis un coup de pied. Tout va bien, monsieur ? Meyer va t'expliquer notre plan. Va la voir dès que possible. Oh, Aiden. Pas la peine de m'appeler monsieur. Mes amis m'appellent Jack. D'accord. Jack. Monsieur. Est-ce que t'appelles ton commandant par son prénom? Alors, avec mes potes, j'appelle Vincent, mais... Les pas Et Vince. Une torgnole, je me prends. En plus, c'est grave jeune, en plus. Plus jeune que toi? Presque, hein. Parce que toi, t'as quand même... T'as quoi? T'as 24 ans, déjà? 24 ans. Nourrir, à 24 ans? Pour combien de personnes? 34. Wow! Incroyable. Matt m'a dit de venir te voir. Oui, il voulait que... le Bayern s'en vont perdre. Une petite récompense pour avoir aidé les pacificateurs. C'est contre une torche UV. Elle pourra... À Salzbourg. Merci. Il a dit quelque chose... Non, en zéro. La tour VNC. Maintenant qu'on a du courant, on peut enfin utiliser l'antenne télé pour diffuser notre appel à la mobilisation. Mais on doit d'abord atteindre le sommet. Et la route est longue. Moi, je dis, qu'est-ce que tu veux savoir? Oh non. Oh, le nez du mec. Sur cette station de radio sur la tour. C'est le plus gros zen à droite de Ville d'Or. Avant, c'était un symbole de la grandeur de la ville. Moi, je vois rien. Tu es un symbole de sa chute. Cette antenne une fois de plus. Ils sont... Mais tous ceux qui... Et on est en cinématique, gros. Devine ce qui leur arrive. Vraiment, t'as bien raison. Le phare potentiel de la ville. Monsieur, faut pas rester là. On espère que cette fois ce sera différent. Ouais, je suis dans sa bouche. Avec des lampes UV. Je suis rentré dans sa bouche. Je suis dans sa tête, le pacificateur. Il t'assure on ses lèvres. Pense qu'il y a un nid de rapaces à l'intérieur. Ah. C'est la plus grande zone sombre du coin. Une fois, les traceurs nocturnes ont essayé de le contrôler. Ils voulaient utiliser l'antenne pour relier tous les groupes de survivants, pour donner de l'espoir aux gens. Mais ils n'ont même pas pu approcher de l'antenne. Et à la fin, les traceurs ont été anéantis. D'accord. Tu sais qu'on est qu'à 5% du jeu, là. Ok. Jure. On y va. Les lumières sont arrêtées. J'en sais rien, j'en sais rien. Si Juan des fournitures faisait son boulot pour une fois... Je suppose qu'il l'a pas fait. Ça fait plusieurs jours qu'il joue à cache-cache et il est en retard. Ça me tape sur les nerfs. Essaye de trouver Juan pour voir où il en est. Et quand tu le trouveras, fous-lui un coup de pied aussi. Il revient avec son nez. Ils sont traqués, faut le tuer. Mais je suis... Il entend de moi là, c'est... Oh, je suis dans sa bouche. Est-ce que t'as un truc à dire? Ouais, il fait genre... Il... quoi là. Je t'ai vu. Torche UV. Ouais, une lampe UV. Oh, c'est trop bien. C'est ça. L'ancienne dans des... Ah, on avait ça début. Ah ouais, je sais dire. Je me souviens plus. Je me rappelle. Attends, c'est genre illimité? Je sais pas. Qui peut vous enfoncer pour l'utiliser. Arrêtez, repoussez, affaiblissez les infectés. Ah non, bah du coup c'est pas illimité, je pense. Comment ça, d'autres joueurs vous attendent? T'es devant moi? Moi, je t'attends. Moi, je regarde un paquet qui est arrivé. Quoi? Mais y'a personne là. Si. Mais. Tu descends des escaliers là? T'aurais pas vu l'attendant? Non, je suis en train de vendre. Ah, ok. Je suis en train de. J'ai avec la meuf. Ok, je suis en train de poursuivre quelqu'un d'autre alors. Oui, je dis c'est le pack 4. Mais.
ça n'a pas de sens. Ah, c'est bon. Le paquet, t'as trouvé un truc incroyable. Je crois que je suis au bon endroit. Oh, la beubar. Wesh, cousin, balance le son. Join us. Ça, elle est fraîche, elle est mignonne. Hein. Hey, excusez-moi. Putain, j'ai des matchs sur Tinder, c'est incroyable. Personne n'a demandé. J'aurais jamais. Allez. T'as payé ? Je les aurais jamais. Hein. Oui, clairement. Pourquoi tu les auras jamais ? Je cherche Juan Reiner. Oh. Tu n'as pas l'air d'être sur son planning. Madame Noël. C'est urgent. C'est le commandant qui m'envoie. Oh, alors, monsieur Jack vous envoie ? Jack ? C'est son nom. Jack Matt. Monsieur Reiner n'est pas là. Je peux prendre un message ? Non. Je dois lui parler en personne. Où est-il ? Non. Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Oui, attends. Les allées et venues de monsieur Reiner ne reviennent personne. Tu peux l'attendre si tu veux. Autre chose ? Yeah, elle m'a liké, elle m'a matché. Non, elle m'a liké, j'ai pas matché en vrai. Mais t'es pas drôle. Et ton patron, qu'est-ce qu'il fait pour s'amuser ? Pas trop de likes. Monsieur Reiner est connu pour être un fin connaisseur des bonnes choses de la vie. La nourriture, les boissons. Comment tu sais que. Ah oui, ok, sur Insta. Ce qui marche sur deux jambes. Et est-ce qu'il est près d'une de ces bonnes choses en c'est ce moment ? C'est une russe. Peut-être que je peux pas savoir. Riche. Bien essayé, mais non. Je ne dirai rien. C'est tout. Matt ne va pas être content. Juan ne se préoccupe pas particulièrement. Après, attends, je te dis, qui d'autre qui m'a inquiété ? À bientôt, peut-être. Attends, elle t'a liké ou c'est toi qui l'as liké ? Non, c'est elle qui m'a liké. Et moi, j'ai tout le monde. Merde. Évidemment. La Juan ? Aiden ? Tu t'installes en ville ? J'ai elle, mais. Mais hier et Jack m'ont envoyé voir les fournisseurs. Un groupe intéressant. Très différent des autres utilisateurs que j'ai rencontrés. Oh, regarde ce qu'il y a dans le bureau à côté. Les affaires, c'est sale en région. Je vois. Quoi qu'il en soit, j'arrive pas. C'est pas un vrai bureau, ça. Juan, il aime se faire rare. Il rôde probablement autour du village. Le lit et tout, là. Dommage qu'on soit pas dans The Witcher. C'est un bordel. Il se doit le cuisinier pour qu'il lui apporte des produits qui sont pas. Donc il y a petite. Comme si la chute s'était jamais produite. UV, je vais le chercher là-bas. Pour bronzer là. Ah, que pour bronzer, moi je t'ai dit. Ouais. Quoi si je te pousse ? Eh, mais leur bateau il est en train de couler ou quoi ? Non, on est plus dans le bateau ? Je sais pas. Fraîche à go, hein. Tu m'as envoyé une seule. Ah, attends, je t'en redoute. Elle, c'est une elle, ça, c'est pas pour moi, ça. Mel. Oh, j'avoue, c'est une elle cliché en plus. Genre qui prend le RER. Et waouh. Après, il y a d'autres meufs, mais elle a pas eu son Insta. Mais elles ont 18 ans ou quoi? Par contre, elle, Mel, là, je sais pas quoi, je suis sûr qu'elle est mineure. Elle t'ignore? Non, elle est mineure. Ah, c'est sûr. Je pense. Oh! C'est quoi cet endroit? C'est un hôtel chelou, ça. Ils font des bails bizarres. Je ferme ça. C'est pas du propre. Alors, Lighthouse. The. Moi, j'y suis là. Hamilton. Comment ça, t'es pas au bon endroit? J'ai peur qu'il est pas au bon endroit, mais je te le dis. Faut s'enfouir. Dans le sable. Putain, ils sont quand même relous, hein. Y'a que dans les bases où on peut pas sauter partout, alors que c'est les seuls endroits où j'ai envie de faire le Wistiti. Wistikram. Il paraît que les ingénieurs des pacificateurs travaillent sur des alarmes. Ouais, il paraît. Ah, bah c'est quand même mieux quand il y a du soleil. Hein. On continue, putain. Aïe. Je m'en fous, tu finis. Il est où ? Tu te téléportes toi aussi, comment ça va ? Ah, Et Rippy Chip. C'était une vitesse, t'as rien compris.
Pourquoi vous êtes bleu? Excusez-moi. C'est pas très bien d'être bleu. T'es à 74 mètres. Je vais recourir moi aucun. Y'a un mec qui te poursuit là. C'est juste je mets une vitesse. Même à mon ombre, je mets une vitesse. Y'a un mec qui me poursuit là. Le gars c'est qui. Il dure pas longtemps le sprint. Bien. Sprinté, là. Oui. Bien. Pas bien. En vrai, tous les mecs qui te poursuivent, je les retrouve sur mon chemin. Ils sont passés à travers un mur. Hop. C'est loin. C'est par où qu'il faut aller? Maintenant, c'est juste là. Ah, ok. Mais je continue à courir. C'est moi, je suis. C'est moi, je suis. Comment? T'es. Regarde. Je sais pas où t'es. Attends. Dans un mur? Non, je suis en dessous. Mais. Mon perso, il fait du climbing bizarre. Hein. Saute! Comment tu fais pour monter? Avec le camion là. Celui-là. Après, je sais pas comment on fait. Comment on fait l'eau? Waouh! Une échelle? Bizarre, j'ai pas vu. Truc jaune, j'avais pas vu. Tu wow. Fais l'eau avec, avec des flèches et des lumières, t'as pas vu? Non. Tout ce qui est jaune, j'aime pas. Ouais, ça, j'ai vu ça. Ferme pas la porte, ferme pas la porte! Eh hey, mais ils sont bleus. Il y a un mec au cheveux bleus. Il y a bleu. Et maintenant il est blond. Arrêtez de donner des coups. Arrêtez de donner des coups. Ah, il y a pas de voix. J'ai reçu l'ordre de te retrouver. Je m'appelle. Je sais qui tu es. Il me fait fraîche. Après ce coup, il est trop peur de parler des... à des gens sur Tinder. Le restaurant veut donner ton nom à sa progéniture la plus précieuse. Je me fiote. Moi j'en ai un sur Fruits, mais ça se voit que c'est du fake. Mais t'as interrompu notre pas. De toute façon, j'ai explique-toi en une phrase, je te prie. Je te demande, mes photos, elles sont bien. On se fait 4 fiches. Tu sais parfaitement pourquoi je suis ici. Les lance UV. Sa photo, on dirait que je suis stock, on dirait que je fais 1m90. Et tu crois que t'es mais c'est l'envers, je suis petit. Je suis méga. Lourdeau en chef, Jack, pense qu'il peut envoyer son toutou. T'as toujours pas pris de muscles. Et tout le monde se pissera dessus de peur. Mais je sais pas où je m'attendais. Il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal et de l'eau dans la gamelle d'un chien. Chocolaté, quoi. Il a pas une once de raffinement. N'est-ce pas, Billy? Tu préfères pas McDo? N'aie pas peur. C'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire peur. Du moins, pas maintenant. Te faire peur. Ah, Vinny. Quand est-ce que tu te comporteras comme un homme? Vinny, Billy. Tu veux mon attention, Aiden? Montre-moi que tu la mérites. Bon, Aiden. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Hein. Il est habillé comme un mec du Moyen-Âge. Menacer Juan, demander de l'aide, convaincre... Devine ce que moi je choisis. Eh, mais t'es trop fort. Occupé, non? Trop fort. Une cour martiale. Facile. Tu sais pas à qui tu parles, n'est-ce pas? Non. Et toi, tu sais que tu parles à qui, toi? Avec les fournisseurs. Je t'offre ta mère, on est contraint. Lui fournirait ses armes. Je suis A-I-D-E-N-B-A-I-B-E-D-E-N. Et les pacificateurs se retrouveraient sans rien. Les Alpha, India, Delta. Essaie encore, mec. Ouais, Alpha. Mais n'improvise pas. Alpha, India, Delta, Echo. November. Ah donc on peut, on a juste menacé mais il s'en fout quoi. Convaincre.
c'est un peu les mêmes choses, hein, j'ai l'impression. Écoute, tout ce que je veux, c'est aider. J'ai besoin de ces lampes. En fait, le jeu, il nous fait des faux choix. Commence à ramper pour me supplier. C'est mon moment préféré. C'est toi qui en as vraiment besoin? Ou Jack? C'est comme dans Pokémon. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Écoute, tu donnes pas la bonne réponse, il répète sans cesse. Et on m'a demandé de m'assurer que tu le fasses. Et comment penses-tu y parvenir? Hein? Je dois le faire pour tes beaux yeux? Je dis pas que t'es pas mon type. Parce que tu l'es. Mais... j'ai besoin d'une raison pour briser le cœur de Vinny. Donc... essaie encore. Ah, d'accord. Amy Bond. Bon... ton temps est écoulé. Rien n'a éveillé mon intérêt. Juan, qu'est-ce que tu veux? Juan. Comme on le disait autrefois, si tu dois demander le prix, c'est que tu n'en as pas les moyens. Ah bon? Donc c'est quoi, c'est on a perdu ou quoi? C'est-à-dire on doit le tuer ou pas? Pour en revenir à des questions plus pressantes. Alors, pourrions-nous essayer ensuite? Ça fait des progrès avec notre gros prétendu. J'ai jamais rencontré un type comme lui. Les gros poissons. Je te l'avais dit. D'ici. Alors que tout à l'heure elle nous a dit dégage et là maintenant faut qu'on aille la voir. Zouk zouk zang. J'ai même pas capté qu'on était retourné au fisheye là. Il change de la casse pas. Et j'y vais. Oh, je suis mort dans le fisheye. Je vais en mourir. Fait, elle habite juste ici. Et je me casse moi. Ouais. Il s'en va en plus. Viens là. Qu'est-ce que je fous là moi? Laisse-moi deviner. Il a englouti 5 plats et avait une jeune femme sexy à ses côtés. Un jeune homme, mais le reste est exact. C'est une fake fact que tu m'as envoyé. J'ai besoin qu'il se remette au travail. Jack a besoin de l'ampuvé et Juan traîne les pieds. Ouais, je pense. Ça va être dur. Juan est tout à peine. 1m65 debout et 1m10 si t'es sage. Il a ses propres âmes et sa propre certaines base. Fois ça. Il adore le balancer à la figure de Jack. Il va personne à mettre en mettant ça. Fais comme tout le monde. Achète-le. Il aime l'art. Ça vaut pas, ça vaut pas. Les artefacts. Les 1m65 sur les réseaux. Quand il voit un objet qui avait de la valeur, il peut pas s'en empêcher. Aucun contrôle de soi. Moi, est-ce que je peux te mettre quelque chose comme de ça bubble, quand même. C'est la dernière fois que tu vois ma bio. Qui vivait dans un penthouse près du passage de la libération. Bien sur mes réseaux que je puisse voir ton beau message. Mais on ne peut y aller qu'en parapente. C'est pour ça qu'il y a une chance qu'il reste quelque chose. Oh, le parapente. On sera à la radio. Je te guiderai. Et toi? Et t'as laquelle? Non, à une fête. C'est l'anniversaire de Dania. Tu veux parler? On ne sait jamais quand une liste d'invités se superpose à une liste de cibles. Je crois qu'au début, il faut poser une question. On aura fini avec Juan, ok? Je pense pas que Daniel. Oh oui. Tout ça, c'est éclaté, ce truc. Il aime personne. On se tient au courant. Je préfère ne plus faire de sexe ou ne plus écouter de musique pendant 2 ans. T'as mis quoi? J'ai mis musique. Bonne chance. Ça veut dire sexe, hein? Bah non. 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai déjà fait plus alors. C'est pas comme ça. Hein. 40 ans toujours plus haut. Attends, on va escalader à plus haut tour de Manhattan là. Vous êtes chaud? Comment ça, c'était déjà là-bas toi? J'ai utilisé le parapente. Toi, j'ai jamais de vie moi. Je me force à utiliser, j'avoue. T'es toujours affligé. Non mais c'est du racisme. À chaque fois on sort d'une cinématique, t'as pris des dégâts. Canalise-toi un peu. Je veux pas que je tombe, frère. T'as capté? Pas la ref. Mon jeu a crash. On était tous les deux en train de faire le parapente. Vache. A quitter la partie. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce jeu en carton là? Positif. T'as vraiment quitté? Non mais j'ai vraiment crash. Ah, ça a fermé le jeu carrément. Bah oui. Ah ouais. Ça fait erreur du game. Erreur bleue. Ouais, c'est ça. Putain.
Marie, pas. Messi. Messi, Messi, Messi. Encore Messi, encore Messi. Quelle amitié, Jane. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Longtemps que je t'ai pas vu sur tes vêtements. Oh, eh oh, eh oh. C'est public ici. Et c'est quand ton anniversaire? Je passe te voir. Cette année. Ah, vas-y, bah, il faut que je vienne un coup là. Et toi, c'est quand? Moi, c'était il y a 5 jours, moi déjà. Ah ouais, putain. Détecté. Truc de ouf. Je suis né le 14. 14 février, il y a 5 jours. T'as failli t'appeler Valentin, je crois. Et comment on monte? On est le 16. Ça. Je crois qu'on est mercredi. Non, on est dimanche, trop du cul. Ah ouais, excuse. Ouais, mais décalage horaire. Cool. Bah ouais, bah c'est moi chez moi, il est dimanche. Enfin, mercredi peut-être, mais. Oui. Bye bye, Ethan. Eh non, non, non. Par contre, ils auraient pu mettre des cordes partout là, c'est chiant. Vas-y. Non, me coucher. Je vais sur YouTube et me coucher en même temps. Non, c'est bon. Ah, bah c'est bon, je suis juste à côté en fait. C'était pas si compliqué. C'est vraiment sympa qu'ils aient mis des cordes un petit peu partout parce que sinon. Ça aurait été very galère. Hop. Ouais, nickel ça. J'ai réveillé les autres. Ah oui. Ah, tu vas réveiller tout le monde. Trop tard. Je crois que je me suis débloqué une amélioration là, mais je sais plus ce que c'est. Je crois que j'ai juste pas le temps pour sauter. Oh là là, c'est beau hein. Il s'en fout le mec. Comment ça se passe? T'es déjà arrivé? Pas encore. J'ai atteint le bâtiment, mais... Comment est-ce que je peux atteindre le sommet? Prends un conduit d'évacuation. Il doit y en avoir un sur le toit. Il faut demander quand à Mathieu le sommet. Quand tu seras là-bas, monte dessus, saute et ouvre ton parapente. C'est facile. Ça m'a pas l'air très sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas trop risqué que t'as déjà fait dans cette ville? Bien vu. Mais du coup, c'est où? Je trouve un machin d'aération. Ah, là-bas. D'accord. Ok, d'accord. Ça va me lever suffisamment, ce truc. Conteneur d'inhibiteur détecté. Pouah, on voit rien. Merci pour votre hospitalité. Avec plaisir. On n'est pas sur le territoire des pacificateurs. La communauté a toujours un sens ici. Cependant, il y a une chose. Il faut exprès de parler des pacificateurs quand on est à côté. Est-ce qu'ils sont aussi rusés qu'on le dit? Oh. 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 Je suis mort. Ah, c'est bon, ça va. Ça va, tout va bien. Plus qu'à recommencer. Du curry, du riz. Hop. Ça me dit quelque chose par ici. Cependant, il y a une chose que je demanderai en échange. Tu as dit que tu avais déjà rencontré des pèlerins. On l'a réessayé. C'est rusé qu'on le dit. J'ai vu de nombreux pèlerins. Eh, en vrai, on pourrait presque aller directement en haut. Ah, je suis dès que j'ai pas eu le temps de lui faire la démonstration du mode explosif. Conduit d'aération, ça? C'est un ascenseur. Attends, apparemment c'est là.
Je suis un petit peu bête. Il est bête, mec. Oh, du loot. Il ira pas au petit cochon, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, grand grain. Alors, attends, faut que je trouve un machin d'aération, je crois. Une poubelle à fouiller. Ah, la carte. Oh bah c'est nickel. Je me téléporte. Tiens, tiens. Où est-ce les pères? Un rouquin et une robe de seconde main. Tu ne peux être qu'un Weasley. Oh, il y a plein de trucs. Ça, c'est quoi? Pourquoi il y avait une loupe? Lawan, il reste rien. Danior a dit que c'était un endroit vierge. Continue de chercher. Comme mon ex. Oh, elle était facile celle-là. Ouais. Attends, ils étaient où tous les machins? Ah, c'est là. Trouver des objets. Il a pris ses peintures, mais il avait pas de place pour Jessica. Quel salaud romantique. Oh, voilà, la chambre est stylée. Hein. Pas être trop bruyant le soir, mais. Pourquoi pas? Ah. C'est pas très pratique ça. Oh la vache. Compliqué ça. Et du coup on peut pas ouvrir? Qu'il faille fouiller dans les poubelles pour avoir des indices, plutôt l'ordi. C'est la liste de ce qu'il a pris, on dirait. Juan serait content. Message vocal de 17h36. Monsieur Bukowski, votre transport est en route. La collection devrait déjà être sur le toit. Dès que l'hélico sera au-dessus de la ville, on vous rappellera. Lawan, je crois que j'ai trouvé sa cachette. Un hélicoptère devait venir chercher ce type. Ils ont tout envoyé sur le toit. Je vais voir. Bonne chance. Est-ce que je cours vraiment plus vite avec ça? Yeah. Ok. Ah, oh, c'est lui? Ah oh, putain. Il reste aucun tableau. Tout a été détruit. Lawan? J'ai non, trouvé notre collectionneur, mais aucun signe de sa collection. Lawan? C'est une quête secondaire, hey, t'es là ça, on dirait. Bon sang, Aiden. Ok, rapidement. Rien ici à part une bouteille de whisky et une de vodka. Au moins, le whisky est un bon produit. Juan aime le bon whisky. Peut-être que si tu le saoules, il va se détendre. Enfin, pour ainsi dire. Il est toujours à la cantine? Je l'ai vu partir. Il avait l'air de se diriger vers le bateau. Il retourne probablement dans ses quartiers. Ok, je vais le chercher là-bas. Au fait, Danior est un très grand fan de cette vodka. Si t'as l'intention de passer, ce qui n'est probablement pas le cas. Mais si tu veux vraiment connaître cette ville, faut passer par là. Je dis ça, je dis rien. Donc on doit ramener de l'alcool au mec qui nous a embrouillé. C'est n'importe quoi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop avancer. Est-ce qu'on n'a pas des petits trucs à repérer là? Très bien ça. Le tour radio ça a l'air d'être une galère. Je suis quasiment sûr qu'il faille avoir le grappin. Oh, mais c'est ça la tour. C'est la plus haute du jeu. Ah, si on était dans Spider-Man, on y serait déjà. Bon, bah on va continuer. Dans le prochain épisode.